tout ce pouvoir faire. Ouais, y aller. Une sensibilisation, on offre aussi des solutions qui sont réalistes. Mettre des voiles avec un bipode, c'est pas très compliqué, c'est des bouts de tube, ça se soude, on met une voile et comme ça on économise 10-15% de gasoil. Et ça, ça a un impact direct sur les gens qu'on rencontre. Et puis ça crée un lien formidable. On parle la même langue, quoi, hein, même si on rencontre des bases, des Irlandais et par la suite d'autres pays et d'autres langues. On est quand même sur une même longueur d'onde, celle de la mer, des bateaux de travail et de voir comment faire pour s'en sortir, pour que ça soit bien. Donc l'équipage à faim, on reprendra l'explication ce soir avant le repas. Non, et les voiles, c'est la même chose. Hein. Il y a trois choses. Et les quatrièmes, c'est les LED. Hein. Vous avez quatre choses à retenir, c'est pas compliqué. Panneau solaire, capteur solaire pour l'eau chaude, LED pour diminuer la consommation, voile pour appuyer le moteur. We put solar panels. We have to care about our oceans and most generally our planet. But we have to start with something, and the boat is an approach. As a common boat, they can see that people start to think about and there are solutions. So we have to act with our own means. I've been thinking for a long time. That's why I know, like the best. So we have to think about and to do what is in our hands to bring something new, and everything is possible. So that is the message, and I hope they get it. This trip is particular as well because we don't know what's going to happen. We live in present time, from stopover to another one. So we don't know who we will meet. We don't know if people will be interested in our trip or in our expedition. And there is this big part, which is now East Passage. We've seen pictures, we've seen read books about it, but we don't know exactly what we are gonna see. And yeah, we live in present, and there's a big part of unknown, but that is the most exciting part. Devant nous, c'est l'Écosse, les Shetland, la Norvège, la Russie, le Japon. C'est autant d'inconnus autour des gens qu'on va rencontrer, de ces cultures complètement différentes. On espère qu'on va pouvoir apporter une petite contribution, une petite étincelle auprès de tous les gens qu'on va rencontrer, et y compris tous les jeunes, toutes ces nouvelles générations qui sera demain les pêcheurs, les chantiers navals, etc. Et pour nous, c'est vraiment motivant que d'aller au-devant de ces personnes et de se dire qu'on va établir véritablement un échange avec eux, même s'il se fait à notre échelle et bien sûr à partir d'un petit bateau, de nos moyens. Mais on a le sentiment de faire quelque chose qui soit à la fois responsable et utile.